Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans le Grand Bazar sur Maritima. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, nous n'allons pas parler d'un artiste ni d'un groupe, mais de plusieurs artistes. On va parler d'un festival, c'est le festival Avec le Temps qui a lieu la semaine prochaine à Marseille, dans différents lieux, dans différents endroits. Et pour nous en parler, on est avec le chargé de com du festival Avec le Temps, c'est François Gautreau. Bonjour François. Bonjour. François, pardon. Ouais, bonjour, bonjour. Alors tu es donc le chargé de com de ce festival, c'est la 21e édition cette année ? Ouais, on a fêté les 20 ans en très grande pompe l'année dernière, on était ravis, on a fait des très belles soirées, des complets, des artistes ravis, des publics conquis, donc on espère bien essayer de faire aussi bien cette année, voire mieux. Ouais. Alors ce festival Avec le Temps, ça permet de découvrir des artistes déjà connus, qui ont pignon sur rue, et puis des artistes plus émergents ? Exactement, c'est tout l'enjeu, c'est que de dresser une espèce de panorama de ce qu'est de ce que sont les expressions francophones, de ce qu'est la scène francophone, pour ne pas dire chanson française, parce que ce qu'on essaie de défendre sur Avec le Temps, c'est bien bien plus large que la chanson française, qui pourrait presque paraître réducteur, et d'initier des flux de public et de la curiosité sur, effectivement, comme tu disais, des grands noms, Clara Luciani évidemment, Gringe, Columbine, Thérapie Taxi, que beaucoup de gens connaissent déjà. Radio Elvis, pour faire en sorte qu'avant, ils voient en général un artiste, voire plutôt deux, puisqu'il y a beaucoup de soirées avec trois groupes, qui sont plutôt de la découverte, en tout cas qui seront sans doute pour beaucoup de la découverte, et on espère que voilà, qu'il y ait des belles choses que les gens découvriront. Alors je le disais, ce festival se passe dans différents lieux, le Silo, l'Espace Julien, oui. Le Poste à Galène, enfin anciennement le Poste à Galène, puisque depuis quelques jours il s'appelle le Makeda. Ouais, tout à fait. Oui, et puis alors ça c'est pour les lieux identifiés, Silo, Dock des Suds, on a une très grosse soirée hip-hop urbain au Dock des Suds, et puis des lieux plus confidentiels aussi, ou en tout cas qui sont moins identifiés comme lieux de concert. Et le Théâtre des Salins à Martigues. Et on finira en beauté ici à Martigues, au Théâtre des Salins, on est ravis puisque c'est une première, on est ravis que les Salins nous accueillent puisqu'on... Ils nous ont tendu un peu la main pour faire en sorte que le festival, petit à petit, mais très joliment, fasse un petit pas de côté, puisqu'on n'est pas du tout fermé à l'idée de rester uniquement à Marseille. Et on finira très en beauté au Salin avec Radio Elvis. Ce voilà, sera le 20 mars. Exactement, multi-primé, reconnu et en pleine tournée. Et, voilà. Et dans la programmation cette année, vous avez une jeune auréolée des Victoires de la Musique. Et oui. La Martégal, voilà. Elena Marti, puisqu'elle voilà. Est Elena Marti, Clara Luciani. Oui. On va l'écouter, puis on en parle juste bon, après. Hein. Le festival Avec le Temps, avec parmi les invités Clara Luciani, La Grenade. Suis-moi dans la ville blafarde, et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là. Clara Luciani avec La Grenade, donc, qui fait partie évidemment de la programmation du festival Avec le Temps. Elle passe le 13 mars, hein, c'est ça ? Ouais, à l'Espace Julien. Ce qui est chouette, ce qui nous fait grand plaisir, c'est que Clara Luciani, elle était déjà là l'année dernière sur Avec le Temps. Elle était un peu là, en découverte, ou en tout cas jeune talent déjà en devenir. Et elle ouvrait pour Juliette Armanet, qui était elle déjà sous les feux de la rampe. Et là, ce soir-là, t'es avec Pomme et avec Minuit. Exactement. Et là, elle revient. Voilà, c'est vraiment elle la tête d'affiche, évidemment, puisqu'on ne parle que d'elle, et tant mieux. On est ravis. Et elle partage la scène avec Minuit, qui sont un peu les enfants, enfin, qui sont d'ailleurs. Ce sont complètement les enfants de Rita Mitsou. Ah oui, mélanger Fatiche. Pomme, qui est un très joli projet folk, chanson. Ouais. Le concert, je crois, affiche déjà complet. Hein, et c'est oui, complet. Depuis même assez longtemps. Ouais, ouais. Pour Clara Luciani, ouais. Et Minuit le 13 mars. Quels sont les autres artistes programmés cette année ?
qu'on connaît peut-être un peu moins. Oui, alors en fait... Comment on fait le casting? Le casting, c'est déjà de faire en sorte d'avoir ce qu'on appelle les têtes d'affiche, hein, qui sont toujours des grands enjeux, puisque faire venir un artiste de renom comme Interapi Taxi, qui va ouvrir le festival le 12 mars au Silo, faut les convaincre, on va dire. Et c'est aussi ça qui participe de notre satisfaction, c'est que... On constate que de plus en plus d'artistes de la scène francophone, en devenir, mais pas que, aujourd'hui choisissent de venir sur Avec le Temps. On sait que les festivals qui sont identifiés scène francophone, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a évidemment les Franco qu'on connaît, il y a le Printemps de Bourges, qui sont des beaucoup plus grosses machines. Sur des festivals un peu comme ça, de plus familiaux, plus conviviaux, on sent que les artistes ont déjà entendu parler du festival, qu'ils savent que Marseille est un bon public pour la scène francophone. Et des gens comme Therapy Taxi ont, par exemple, clairement fait le choix de venir sur le festival à défaut d'un autre, voilà, puisque évidemment c'est un marché. Donc on travaille avec un directeur artistique qui s'appelle Xavier Declercq, qui travaille d'ailleurs notamment à la programmation du Printemps de Bourges, donc c'est pas le moins avisé sur la scène francophone, à la salle de la Maroquinerie, qui est une très belle salle à Paris pour ceux qui connaissent. Et donc charge à lui de tisser cette programmation et de faire en sorte, pour finir sur le... en tout cas la soirée d'inauguration sur le Silo, le 12 mars, d'avoir Therapy Taxi, qui sera... accompagné, si j'ose dire, en tout cas qui partagera le plateau avec Saint, qui est un groupe de hip-hop pop très énergique comme ça, et qui partage notamment des singles et des clips avec Therapy Taxi. Et puis il y aura Suzanne qui s'inscrit bien dans cette scène ultra dynamique. Suzanne, c'est une performeuse danseuse. Donc on devrait avoir droit à 3 shows pour cette soirée ultra, ultra dynamique, et ça devrait être une grande, grande fête dès le début, le 12 mars. Et cette année, vous ouvrez la scène à l'international, au Québec. Le faites chaque année d'ailleurs, ou non, c'est... Alors, une première? Ça, c'est une grande première aussi officiellement, si j'ose dire, puisqu'on ne s'interdit évidemment pas de faire venir des groupes qui incarnent la francophonie dans d'autres pays, évidemment. La francophonie est heureusement bien plus large que l'Hexagone, mais là on a tissé des liens, notamment via les francopholies de La Rochelle, avec lesquels on travaille un programme qui s'appelle Ma Classe Chanson, qui s'adresse à des jeunes publics. Donc on a 3 groupes qui viennent rencontrer des jeunes publics ici, qui font une création et qui font un rendu de création qui sera gratuit. Notamment avec Voyou, un groupe qui s'appelle Voyou, et un groupe qui s'appelle Catastrophe. Je vous invite à suivre le programme et le site web pour vous tenir au courant de ces choses-là, puisque c'est totalement gratuit, c'est des choses complètement inédites qu'on fait en partenariat avec les Franco de La Rochelle. Et du coup, on a ces soirées... on va dire, et puis ces concerts gratuits qui sont en parallèle de la programmation du festival. Vous allez sur le site Festival Avec le Temps, voilà. Vous avez toute la programmation, évidemment. Qui est ce personnage, cet homme avec cette tête de bouc? C'est un personnage qui a été créé par Cyril Rousseau, qui est un magnifique illustrateur. C'est l'icône du festival. C'est l'icône du festival. En fait, c'est aussi la patte de Cyril, qui crée les affiches du festival depuis... C'est sa 4e qui va signer aujourd'hui. C'est vraiment un artiste. C'est un illustrateur qui fait beaucoup de sérigraphie, qui fait des choses très délicates à la main. C'est un travail vraiment d'orfèvre. Et on a constaté, depuis qu'on travaille sur ce festival, qu'il y a des très jolis retours du public. Donc on fait des petites choses souvenirs de l'affiche, des petites choses en merchandising dont les gens peuvent s'emparer au cours du festival. On aura un petit carnet comme celui-là d'ailleurs, qui est tout à fait un carnet écolo, recyclé et très joli, ma foi. Des petites pochettes et des choses pour faire en sorte que, voilà, on participe à un événement plein entier, et notamment avec Cyril, qui nous a proposé que cette grande affiche... Alors on a un petit programme qui se déplie et qui forme cette grande affiche, nous invite à venir dans cette espèce de grand chapiteau de la scène francophone, et qu'on voit ce tout petit personnage qui nous invite et qu'on retrouve en beaucoup plus grand sur d'autres formats. Cyril est peut-être l'homme à la tête de bouc. Voilà. Le festival Avec le Temps, donc du 12 jusqu'au 20 mars, oui. Donc dans différents lieux à Marseille et au Théâtre des Salins. Exactement. À Martigues. Merci François Gautreau. Eh bien, grand merci à vous. D'avoir été avec nous. Location, tarifs, billets, points de vente habituels. Festival-avec-le-temps.com, et vous avez tout dessus.
Et on parlait que vous invitez cette année la scène québécoise. On va écouter un groupe. C'est un groupe ou un artiste québécois? Oui. Il s'appelle Chose Sauvage. Ouais. Avec la valse des trottoirs. Lui, il sera programmé le 16, hein, je crois, au poste à Galène. Exactement. Au Makeda. Exactement. On l'écoute, les choses sauvages. Les couleurs. Je connais les pas, je danse avec.